Il m'a fait une fête, il m'a fait une petite vidéo. Il est tout sage. Il a bien dormi, il est tout sage, ce bébé. Qu'est-ce que t'es craquant, mon fils. Maman, je t'aime. Hein. Je t'aime. Je t'aime. Papa aussi, il aime. Papa, il va s'occuper de tout l'après-midi. Il n'y a que pour maman. Que pour maman. Regardez ce que j'ai trouvé à Venise. Mais qu'est-ce que c'est? Ça sent super bon, c'est fait embaumer en sortant du Vaporetto. C'est du chèvrefeuille. Je suis trop fière d'avoir trouvé ça parce que c'est trop beau. Et bébé réveillé. Et Arthur il dit encore des balades, papa et maman. Encore des balades. Mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi ce bazar? Il adore se promener. De marcher, on dirait qu'on a une bonne connexion. Bonjour, wow. Bonjour. Hello, comment ça va? Bon, on voulait faire une petite vidéo. On parle doucement parce qu'il y a bébé qui dort. On en profite d'ailleurs. C'est la fin des vacances. C'est ce que tous les gens que l'on a croisé depuis hier soir nous disent. Du ouais, c'est la fin des vacances. Vous allez rentrer chez vous? Ben non. Et non. On est en Italie, on est sur l'île de Lido de Jesolo. On vient de passer un super moment là, 5 jours sur ce bateau là, magnifique. On mettra des photos et des vidéos. Et là, c'est pas la fin des vacances, donc on va où? Ah, où va-t-on? Quelle est la prochaine destination? On repart pour une 4e fois, 3 semaines. Sur une île. Sur une île, toujours, tour européen. Corfou. À Corfou en Grèce, yes. Yes. On a loué une super baraque avec une plage privée. Comme ça, on ne sera pas embêté par les campeurs. Ça sera impeccable. Ouais, on va être bien sur notre petite plage. Donc là, on part à midi. À 5h, on prend l'avion, on va sur Athènes. Voilà. Et après... Et on change, et après on va à Corfou. Et on arrive à Corfou. Avec Aegean Airlines, c'est la compagnie grecque, équivalent Air France, mais grecque. Bon, bilan des 3 semaines en Italie, hein. Écoute, Venise est tout aussi majestueuse que dans mes souvenirs. L'Italie est un pays très agréable où il fait très bon vivre. Vraiment, il y a une douceur de vivre, un calme. C'est l'étendue d'eau hein, qui fait. Hein. La lagune de Venise est magnifique. Il y a des dizaines et des dizaines d'îles. Alors c'est vrai que l'eau, elle n'est pas bleue comme on va pouvoir le voir ce soir ou demain en Grèce. Elle est un peu trouble avec le sable et tout. Mais l'étendue d'eau, les dizaines d'îles à faire... plus les Italiens qui sont tranquillo et piano, hein. Il n'y a pas de stress ici, tout va très très bien. Ouais, c'est cool. Donc moi perso, 3 semaines d'immersion en Italie, j'ai kiffé. Autant j'avais kiffé les 3 semaines aux Canaries, mais là 3 semaines sur cette île là, enfin sur toutes ces îles, parce qu'on a fait quand même un paquet, et moi j'adore. Ouais, il y a vraiment quoi faire, il y a vraiment de quoi se balader, il y a de très jolies plages. Des très belles promenades à faire. On s'est vraiment éclaté, puis on a eu un temps absolument extraordinaire. Ouais, il a fait beau tout le temps, on a eu du 20-25 degrés. Façon, on a eu compliqué. Chaud. Tu prends bébé, il est en body toute la journée. Et ouais, body manche courte, les pattes à l'air. Il attrape ses petits pieds maintenant, c'est trop rigolo. Il attrape ses pieds, il gazouille, il fait beaucoup plus de sons, il tire la langue. Il n'arrête pas, il se développe à vitesse grand V, c'est fou. On finit ce petit Facebook direct parce qu'on va s'en aller. Tu fais un petit tour du propriétaire. Allez. Bon là, on a mis nos valises hein, parce qu'on est en train de remballer. Donc, on est sur ce bateau. Donc on est dans la marina. La marina di Cavellino, je crois que ça s'appelle. Di Jesolo. Et de Lido di Jesolo, voilà.
Donc là, il y a un canal, en fait, qui rentre dans le port. On voit tous les bateaux rentrer, sortir du port. C'est un très, très grand port. Alors, on en voit une toute petite partie derrière moi. Et après, je vais vous montrer comment que c'est derrière, ou plutôt devant. Donc, je vais monter en essayant de ne pas tomber. Voilà, tout le monde attend plus qu'une chose, c'est que je tombe. Super. Donc voilà, avec une belle plage où on a fait bronzette. Vous voyez, il fait encore un temps magnifique, il n'y a pas un nuage. Voilà. Donc derrière, il y a un ponton pour mettre les bateaux à l'eau. On voit bien le port. Voilà les bains de soleil, le petit ponton pour monter sur le bateau. J'avais une petite pensée, oui. Je me dis depuis quand en fait on est parti de chez nous? Depuis le 23 ou 24 avril 25 avril? Je sais plus. Non, 25 avril, non, c'était bien ma avant. Fête. Non, non, 29 mars. Ou 29 comme mars, ça. Wow. Oui, 29 ou 30 mars. Mars, avril, mai. Ça fait 2 mois. C'est un peu plus de 2 mois, ouais. C'est bon ça. Moi je kiffe. On repart quand? Ce soir. Ben, ce soir, là, on est en route. On va en faire un petit tour là, si on veut, je vous montre. Donc on a une petite table, il y a nos petits cafés qui nous attendent. Oui, c'est tout le temps les vacances, Bernardo, Anthony. Non, c'est pas des vacances. C'est un style de vie. Un lifestyle. C'est le lifestyle. On bosse, hein. Il faut se sortir les doigts du, hein, comme on dit, pour en arriver là. Donc ça, c'est la cabine du pilotage. Ici, il y a une petite cuisine. Donc comme vous l'avez vu, j'ai monté quelques marches. Voyez, on voit passer les bateaux. Voilà, et après en bas, il y a les chambres, je vous montre. Alors comme on s'en va, c'est un peu en bazar. Hein. Et donc sur la droite, on a une première cabine. Très spacieuse. Voilà. Et de l'autre côté, une autre cabine. Et il y avait 2 salles de bain. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Tout se passe dans la tête. Tout est possible. Même nous, avec Millie, il y a des moments où on se dit « Ah ben non, ça c'est pas possible. » On se met des filtres encore dans notre tête. « Ah, on peut pas. » Mais non, mais vraiment. Vraiment, ça, on peut vraiment pas. C'est pas vrai. Tout est possible et tout peut se faire correctement et dans les bonnes façons de faire. Exactement. Magnifique.